Salut, salut, ici c'est Rex Potam. Aujourd'hui nous entamons un cycle de 14 vidéos, pas moins, sur donc le requiem que je suis en train d'écrire. Donc il s'agit ici de la première mouture, ce que j'appelle le scratch, qui est une version démonstration, un petit peu pour obtenir tes retours à toi et à tous les musiciens qui veulent bien me donner des indications sur des choses qui plaisent ou qui plaisent pas, qu'est-ce qui serait possible d'améliorer. Le but étant à terme de pouvoir produire cette œuvre avec des vrais musiciens, c'est-à-dire des vrais chanteurs, des vrais instrumentistes, ce que je n'ai pas la prétention d'être. Voilà. Alors, mon requiem, comme c'est la première vidéo, je vais déjà présenter un petit peu d'une façon générale avant d'attaquer le premier morceau. Donc, mon requiem n'est pas pas quelque part comme les autres, dans le sens où généralement un requiem c'est très très triste. Bon, il y a des raisons pour ça, hein. C'est une messe des morts, une messe de défunts, mais le texte, lui, quand on le lit attentivement, il n'est pas si triste que ça, il est plein d'espoir. Et donc moi, ce que je voulais apporter, c'est un éclairage un petit peu différent sur cette œuvre, en s'appuyant un petit peu moins sur le côté triste, un peu plus sur le côté espoir. D'une vie après la mort. Juste pour signaler, le titre n'est pas définitif. Le titre final, ce sera pas Requiem. J'ai une idée, mais c'est pas encore officialisé, on va dire. Je suis pas encore complètement sûr. Et puis, de toute façon, le scratch, lui, s'appelle Requiem, donc on va rester sur cette idée pour le moment. Alors, la première partie, le premier morceau, donc l'introduction, l'introitus en latin, c'est l'ouverture et le thème principal du requiem en ré mineur. C'est un thème qu'on retrouvera régulièrement, donc notamment dans les trois premiers morceaux qui forment en fait une seule unité, et puis régulièrement tout le long de l'œuvre. La musique se veut calme et reposante. Elle commence par un balancement de trois notes identiques. Requiem. Deux courtes, une longue. Voilà, c'est le thème initial. Il est posé d'abord au piano, puis repris par le soliste. Et c'est ce même thème qui est utilisé donc par le chœur en soutien harmonique. La grande majorité du morceau est construite autour de ce même ingrédient, par exemple Aeternam, Exaudi, donc ce sont d'autres mots du texte qui reprennent un peu ce thème. Et même les autres instruments qui sont le hautbois et le violoncelle, ils ont quelques broderies, mais finalement ça tourne quand même autour du même thème. Donc nous allons écouter le morceau. Juste avant de l'entendre, moi je voulais savoir un petit peu, si tu peux me dire dans les commentaires, comment tu ressens un peu ce début de morceau. Est-ce qu'il y a quelque chose peut-être que tu aurais écrit autrement? Et dans tous les cas, n'hésite pas à me dire si ça te plaît, si ça te plaît pas, si tu vois des choses à améliorer. Et dans tous les cas, dans les commentaires, j'y répondrai. Et si tu aimes ce que je fais, cette vidéo, n'hésite pas à donner ton petit pouce bleu, à t'abonner et à activer la cloche. Hein, tu connais la chanson. En parlant de chanson, bonne écoute. Tedet ad rem.
Requiem aeternam.